Bon, ça, je ne sais pas. Ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Si chacun veut partir, d'autres veulent partir aux élections, ils n'ont pas partir. Si eux, ils n'ont pas boycotter. Bon, chacun son choix. Non, on est là. On prie que tout le monde a aux élections seulement. Tranquille, sans palabre. C'est ce qu'on souhaite. Que tout se passe très 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 bien. On ne veut pas de guerre, on ne veut pas de paix en choses. On veut toujours la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, toujours la paix. Après l'événement de 2011, c'est pour dire qu'il n'a pas eu de véritable réconciliation. Il n'a pas eu de véritable pourparlers. Il n'a pas eu de véritable échange entre d'abord les hommes politiques ne se sont pas assis. Et puis, faire le point, se faire un mea culpa, de faire un bilan réel sur le plan social, surtout sur le plan social. C'est-à-dire la cohésion, le vivre ensemble. Il n'y a pas eu. Donc, ce qui s'est passé en 2010-2011, c'est normal que ça revienne en 2020. Parce qu'il n'y a pas eu de cohésion entre eux d'abord, hommes politiques,